Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban est une énorme tour de roche bleue plantée au bord du Pan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Euvaune. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence. Et parfois, un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond de la nuit briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ses légions des Gaules venaient d'égorger, dans la plaine d'Aix, les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le cinquième enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie les L'Espagnol puis l'Espagnol. De plus, ils étaient armuriers de père en fils. Et dans les eaux fumantes de Louvèze, ils trempaient des lames d'épée. Occupation, comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique, à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela l'ourousti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux, au toucher et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Il était petit, mais large d'épaules et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col, et une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins mais très nets, et ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. Nous disait-il, nous montions des murs en pierres appareillées, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres par des tenons et des mortaises, des embrèvements, des queues d'aronde et des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans les rainures pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons, ils prennent des pierres comme elles viennent et ils bouchent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierre, il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute sa famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait les joints, relevait des coupes, cassait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi, 30 ans plus tard, ses fils et ses filles, au seul nom du pont du Gard, levaient les yeux au ciel et poussaient de longs gémissements. J'ai sur ma table de travail un précieux presse-papier. C'est un cube allongé en fer, percé en son centre d'un trou ovale. Sur chacune des faces extrêmes, un entonnoir assez profond est creusé dans le métal refoulé.
C'est la massette du grand-père André qui frappa pendant 50 ans la dure tête des ciseaux d'acier. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie, finit par croire que l'instruction était le souverain bien, et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux quatre veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement. Et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sortit de l'école normale d'Aix-en-Provence et devint instituteur public. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. La papauté y était dignement représentée par les deux Borgia, et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes, ces tyrans libidineux qui s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas grief à la République. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Les normaliens frais et moulus étaient donc persuadés que la grande révolution qui avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussée jusqu'à la tendresse, en somme une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer sans attirer leur attention que ces anges laïcs, après 20 000 assassinats suivis de vols, s'étaient entre-guillotinés eux-mêmes. Il est vrai d'autre part que le curé de mon village, qui était fort intelligent et d'une charité que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de conseil de famille. Il disait que si les prélats avaient brûlé tant de juifs et de savants, ils l'avaient fait les larmes aux yeux et pour leur assurer une place au paradis. Telle est la faiblesse de notre raison. Elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l'anticléricalisme et à l'histoire laïcisée. Il y avait un troisième ennemi du peuple et qui n'était point dans le passé, c'était l'alcool. De cette époque date l'assommoir et ces tableaux effrayants qui tapissaient les murs des classes. On y voyait des foies rougeâtres et si parfaitement méconnaissables à cause de leurs boursouflures vertes et de leurs étranglements violacés qui leur donnaient la forme d'un topinambour. Mais pour éclairer ce désastre, l'artiste avait peint au beau milieu du tableau le foie appétissant du bon citoyen dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. Les normaliens, poursuivis jusque dans les dortoirs par cet horrible viscère, sans parler d'un pancréas en forme de vis d'Archimède et d'une aorte égayée de hernie, étaient peu à peu frappés de terreur et la seule vue d'un verre de vin leur donnait des frissons de dégoût. Les terrasses des cafés, à l'heure de l'apéritif, leur paraissaient une assemblée de candidats au suicide. Un ami de mon père, ivre d'eau filtrée, me renversa un jour les tables comme un polyclote laïque qu'il était. Il pensait que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper au mur ou qu'ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau. Et l'on citait le cas d'un violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d'un tremblement spasmodique dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un bain de vermouth cassis. Mais ce qu'il haïssait le plus farouchement, c'était les liqueurs dites « digestives », les bénédictines, les chartreuses, avec privilège du roi, qui réunissaient dans une trinité atroce l'Église, l'alcool et la royauté. Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour en faire les instructeurs du peuple. Ils pouvaient comprendre à merveille, car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers. Ils recevaient une culture générale sans doute plus large que profonde, mais qui était une grande nouveauté. Et comme ils avaient toujours vu leur père travailler 12 heures par jour dans le champ, dans la barque ou sur l'échafaudage, ils se félicitaient de leurs heureux destins, parce qu'ils pouvaient sortir le dimanche et qu'ils avaient 3 fois par an des vacances qui les ramenaient à la maison.
Alors le père et le grand-père, et parfois même les voisins, qui n'avaient jamais étudié qu'avec leurs mains, venaient leur poser des questions et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n'avait pu trouver la clé. Ils répondaient, les anciens écoutaient gravement, en hochant la tête. C'est pourquoi pendant 3 années, ils dévoraient la science comme une nourriture précieuse dont les aïeux avaient été privés. C'est pourquoi pendant les récréations, monsieur le directeur faisait le tour des salles de classe pour en chasser quelques trop bons élèves et les condamner à jouer au ballon. À la fin de ses études, il fallait affronter le brevet supérieur, dont les résultats prouvaient que la promotion était parvenue à maturité. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux quatre coins du département pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque dans la neige, des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière. Puis il traversait plusieurs de ces bourgades dont les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance d'un enfant. Au troisième ou au quatrième, il arrivait dans les sous-préfectures de la plaine, après quoi il faisait enfin son entrée au chef-lieu dans une peau devenue trop grande sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à 8 ou 10 classes, et dirigeait le cours supérieur, parfois le cours complémentaire. On fêtait un jour, solennellement, ses palmes académiques. 3 ans plus tard, il prenait sa retraite, c'est-à-dire le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il disait « Je vais enfin pouvoir planter mes choux !» Sur quoi il se couchait et mourait. J'en ai connu beaucoup de ces maîtres d'autrefois. Ils avaient une foi totale dans la beauté de leur mission, une confiance radieuse dans l'avenir de la race humaine. Ils méprisaient l'argent et le luxe, ils refusaient un avancement pour laisser la place à un autre ou pour continuer la tâche commencée dans le village déshérité. Un très vieil ami de mon père, sorti premier de l'école normale, avait dû à cet exploit de débuter dans un quartier de Marseille, quartier pouilleux, peuplé de misérables, où nul n'osait se hasarder la nuit. Il y resta de ses débuts à la retraite, 40 ans dans la même classe, 40 ans sur la même chaise. Et comme un soir mon père lui disait « Tu n'as donc jamais eu d'ambition ?»« Oh mais si, dit-il, j'en ai eu. Et je crois que j'ai bien réussi. Pense qu'en 20 ans, mon prédécesseur a vu guillotiner 6 de ses élèves. Moi, en 40 ans, j'en ai eu que 2, et un gracié de justesse. Ça valait la peine de rester là. » Car le plus remarquable, c'est que ces anticléricaux avaient des âmes de missionnaires. Pour faire échec à monsieur le curé dont la vertu était supposée feinte, ils vivaient eux-mêmes comme des saints, et leur morale était aussi inflexible que celle des premiers puritains. Monsieur l'inspecteur d'académie était leur évêque, monsieur le recteur l'archevêque, et leur pape c'était monsieur le ministre. On ne lui écrit que sur grand papier, avec des formules rituelles. « Comme les prêtres, disait mon père, nous travaillons pour la vie future, mais nous, c'est pour celle des autres. » C'est parce qu'il était sorti lui aussi d'un bon rang que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. C'était une bourgade de 10 000 habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uvaune et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. On y cuisait des tuiles, des briques et des cruches. On y bourrait des boudins et des andouilles. On y tannait, en 7 ans de fosse, des cuirs inusables. On y fabriquait aussi des santons coloriés, qui sont les petits personnages des crèches de la Noël. Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit et fort heureusement raccourci aux deux bouts de sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulait naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière, brune, qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur avais jamais demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien parce que ma mère, c'était moi.
et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien nos boules et qui gagnait infailliblement 54 francs par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres, elle s'installa dans un appartement d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que 19 ans, et elle les eut toute sa vie, elle conçut de graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtrait jamais, parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait furieuse « Quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça ?» et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire, entre deux crises de sanglots. Effrayée par ce comportement déraisonnable, mon père appela au secours sa sœur aînée, car c'est elle qui l'avait élevée. Elle était, naturellement, directrice d'école à La Ciotat et célibataire. La grande sœur fut tout à fait ravie et décida qu'il fallait sur le champ installer ma mère chez elle sur le bord de la mer Latine, ce qui fut fait le soir même. On m'a dit que Joseph en fut charmé et qu'il profita de sa liberté pour compter fleurettes à la boulangère, dont il mit en ordre sa comptabilité. Voilà une idée déplaisante et je n'ai jamais accepté. Pendant ce temps, la future maman se promenait le long des plages, sous le tendre soleil de janvier, en regardant au loin les voiles des pêcheurs qui partaient à 3 heures vers le soleil couchant. Puis, près du feu où sifflotait la flamme bleue des souches d'olivier, elle tricotait le trousseau de sa bondissante progéniture, tandis que la tante Marie ourlait des langes en chantant d'une jolie voix claire « Sur le brick léger que le flot balance, quand la nuit étend son grand voile noir. » Elle était maintenant rassurée, d'autant que son cher Joseph venait tous les samedis sur la bicyclette du boulanger. Il apportait des croquants aux amandes, des tartes à la frangipane et un sachet de farine blanche pour faire des crêpes ou des beignets, ce qui prouve bien que la boulangère n'avait pas à se plaindre de lui. Ses gâteries, ce long repos et l'air salubre de la douce Méditerranée transformèrent la douce Augustine. Elle avait pris de belles couleurs et il paraît qu'elle chantait tous les matins dès son réveil. Tout s'annonçait donc le mieux du monde, lorsqu'au petit matin du 28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs. Elle appela aussitôt la tante Marie, qui décréta que ce n'était rien, puisque le docteur avait annoncé la naissance d'une fille pour la fin du mois de mars. Puis elle ralluma le feu pour mettre en route une tisane. Mais la patiente affirma que les docteurs n'y comprenaient rien et qu'elle voulait retourner tout de suite à Aubagne. « Il faut que l'enfant naisse à la maison. Il faut que Joseph me tienne la main. » « Marie, Marie, partons vite, je suis sûre qu'il veut sortir. » La douce Marie essaya de la calmer avec du tilleul et des paroles. La passoire à la main, elle déclara que si l'événement se confirmait, elle irait en informer le poissonnier, qui descendait chaque jour à Aubagne vers les 8 heures, et que Joseph viendrait aussi vite que le vent sur la machine à pédales. Mais Augustine repoussa la tasse à fleurs et se tordit les mains en pleurant à grosses larmes. Alors la tante Marie alla frappa au volet d'un voisin qui possédait un beau guet et un petit cheval. C'était une époque bénie où les gens se rendaient service, il n'y avait qu'à demander. Le voisin attela son cheval, la tante enveloppa Augustine dans des châles, et nous voilà partis au petit trot, tandis que sur la crête des collines, la moitié d'un grand soleil rouge nous regardait à travers les pins. Mais en arrivant à la Bidoule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs recommencèrent et la tante à son tour s'affola. Elle serrait dans ses bras ma mère en mitouflée et lui donnait des conseils. « Augustine, dit-elle, retiens-toi, car elle était vierge. » Mais Augustine, toute pâle, ouvrait des grands yeux noirs énormes et transpirait en gémissant. Heureusement, nous avions franchi le col et la route descendait sur Aubagne. Le voisin desserra son frein, qu'on appela la mécanique, et fouetta le petit cheval qui n'eut qu'à se laisser emporter par le poids de l'équipage. Nous arrivâmes tout juste à temps, et Madame Négrel, la sage-femme, vint en hâte délivrer ma mère, qui avait enfin planté ses ongles dans le bras puissant de Joseph. Cette histoire n'est pas très étonnante, mais attendez une minute, car elle va le devenir. Au début du XVIIIe siècle, il y avait à Aubagne une très riche et très ancienne famille de commerçants qui s'appelait Barthélemy. Ses mérites étaient si éclatants que le roi devait un jour l'ennoblir. Or, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1716, Madame Barthélemy, qui était très jeune, qui habitait Aubagne
et dont le mari s'appelait Joseph, ressentit les premières douleurs. Elle monta précipitamment en voiture pour se rendre auprès de sa mère dans la maison familiale qui était la plus jolie maison de Cassis. Cassis était un petit port de pêche, à une lieue de la Ciotat. Et sur les trois quarts du voyage, la même route conduisit à Aubagne. Madame Barthélemy passa donc par les gorges, puis par le col de la Bédoule, gémissante sous des couvertures. Elle arriva à Cassis, pâmée de douleur, et pendant qu'on la mettait au lit, elle donna le jour à un petit garçon. Cet enfant d'Aubagne devait être l'abbé Barthélemy, auteur illustre du voyage du jeune Anacharsis en Grèce, et qui fut élu à l'Académie française le 5 mars 1789, au 25e fauteuil. C'est ce fauteuil même que j'ai l'honneur d'occuper depuis le 5 mars d'une autre année. On pourrait tirer de cette double anecdote une conclusion singulière, c'est que l'un des moyens de faire un jour partie de l'illustre compagnie, c'est d'être le fils d'un Joseph, et d'essayer de naître, par un petit matin d'hiver, dans une carriole doublement gémissante sur la route de la Bédoule. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux parce que je n'y ai vécu que 3 ans. Je vois d'abord une très haute fontaine sous les platanes du cours, juste devant notre maison. C'est le monument que les compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélemy, considéré comme un homme de gauche, à cause du voyage du jeune Anacharsis. Peu de personnes l'avaient lu et beaucoup disaient en toute bonne foi « le jeune Anacharsis ». Je l'ignorais évidemment à cette époque, mais j'écoutais avec ravissement la petite chanson de la fontaine qui pépiait avec les moineaux. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse, pendant que ma mère, horrifiée, crie « Henri, tu es idiot! Henri, je te défends !» C'est que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore! Encore !» Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune. Il était mécanicien de machines à vapeur et il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là était né à Coutances vers 1845 et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut. Il y resta. À 24 ans, il avait déjà 3 enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier et que la mère ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune et tout bêtement, il fit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître. Et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 4 années, n'a pas pu nous dire grand-chose. Sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, et qu'il était d'un blond tirant sur le roux et qu'il riait d'un rien comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois, le soir à la campagne, au coin du feu, je l'appelle, mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors, tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de 24 ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents, sous une épaisse chevelure dorée. Et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la partie de boules sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements, puis les géants finissaient toujours par se disputer, à cause d'une ficelle qu'ils s'arrachaient des mains, mais ils ne se battaient jamais. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village de la banlieue de Marseille. En face de l'école, il y avait l'abattoir municipal. Ce n'était qu'une sorte de hangar où 2 bouchers immenses opéraient toutes portes ouvertes. Pendant que ma mère faisait son petit ménage, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs et des porcs avec le plus vif intérêt. Je crois que l'homme est naturellement cruel. Les enfants et les sauvages en font la preuve chaque jour. Lorsque le malheureux bœuf recevait le coup de Merlin entre les cornes et tombait sur les genoux, j'admirais simplement la force du boucher et la victoire de l'homme sur la bête. La mise à mort des porcs me faisait rire aux larmes parce qu'on les tirait par les oreilles et qu'ils poussaient des cris stridents. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Le boucher lui tranchait élégamment le gosier, tout en continuant une conversation avec son assistant.
et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé trois ou quatre, il plaçait les cadavres les pattes en l'air sur des sortes de berceaux. Puis avec un soufflet, il les gonflait prodigieusement pour décoller la peau de la chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons et j'espérais les voir s'envoler. Mais ma mère, qui arrivait toujours au meilleur moment, me faisait descendre de mon observatoire. Et tout en coupant des cubes de viande pour le pot-au-feu familial, elle me tenait des propos incompréhensibles sur la douleur du pauvre bœuf, la gentillesse du petit mouton frisé et la méchanceté de ce boucher. Lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et y sortit sans mot dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau « La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage ». Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, c'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda, stupéfait. « Mais qu'est-ce que tu dis? Maman ne m'a pas puni. Tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni? C'est écrit !» La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, » dit-il enfin. « Est-ce que tu sais lire ?»« Oui. »« Voyons, voyons, » répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. « Eh bien, lis. » Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut, ce jour-là, la plus grande joie, mais la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des 4 instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit poussé. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge, qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère, en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau. À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais jamais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler, et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue. Et de temps à autre, elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'as pas mal à la tête ?»« Non, je n'avais pas mal à la tête. » Mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe ni d'ouvrir un livre, par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que 2 ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui déclara que j'étais douée d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était celle d'un enfant au berceau. De Saint-Loup, mon père fit un bond de comète, car franchissant d'un seul coup les faubourgs, il fut nommé, à sa grande surprise, instituteur titulaire à l'école du Chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Elle était gouvernée par un directeur sans classe, qui était une sorte de proviseur. Il pouvait aller voir monsieur l'inspecteur d'académie sans la moindre convocation. Il était membre du jury du brevet élémentaire et même parfois du brevet supérieur. D'ailleurs, le concierge avait dit devant moi à mon père charmé que les 12 instituteurs des Chartreux étaient l'élite des maîtres et qu'au bout de 4 ou 5 ans de service, ceux qui le désiraient étaient immédiatement nommés directeurs et souvent à Marseille même. Cette déclaration du concierge de l'école du chemin des Chartreux fut souvent citée dans la famille, et ma mère, qui en était toute glorieuse, le répéta devant Madame Mercier, Mademoiselle Guimard, en ajoutant qu'après tout, ce concierge exagérait peut-être un peu, mais elle n'avait pas l'air de le croire. Elle était toujours pâle et frêle, mais heureuse, entre son Joseph et ses 2 garçons et sa machine à coudre toute neuve. Cette prodigieuse invention moderne me permettait de l'aider dans tous ses travaux. Agenouillée, sous la petite table, devant sa robe, je faisais avec mes mains osciller la large pédale que j'arrêtais net au commandement. Mon frère Paul était un petit bonhomme de 3 ans, la peau blanche, les joues rondes, avec de grands yeux d'un bleu très clair et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il était pensif,
ne pleurait jamais et jouait tout seul sous une table avec un bouchon ou un bigoudi. Mais sa voracité était surprenante. De temps à autre, il y avait un drame éclair. On le voyait tout à coup s'avancer, titubant, les bras écartés, la figure violette. Il était en train de mourir, suffoqué. Ma mère, affolée, frappait dans son dos, enfonçait un doigt dans la gorge ou le secouait en le tenant par les talons, comme fit jadis la mère d'Achille. Alors, dans un râle affreux, il expulsait une grosse olive noire, un noyau de pêche ou une longue lanière de lard. Après quoi, il reprenait ses jeux solitaires, accroupi comme un gros crapaud. Joseph était devenu magnifique. Il avait un costume neuf, bleu marine, digne de l'école des Chartreux. Ses lunettes, jadis cerclées de fer, brillaient maintenant dans une monture d'or. Et leur verre s'était arrondi. Enfin, il portait une cravate d'artiste, une ganse noire aux deux bouts pendants. Mais cette prétention était justifiée par le fait qu'il s'était associé à son collègue Arnaud pour travailler le jeudi et le dimanche matin à la reproduction des cartes murales de géographie que les éditions Vidal-Lablache leur payaient jusqu'à 100 francs l'une. Dans le budget familial, Vidal-Lablache était compté pour 25 francs par mois et ce nom double était deux fois béni. J'approchais de mes 6 ans et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait Mademoiselle Guimard. Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune. Et quand elle parlait, son nez remuait. Pourtant, je la trouvais laide parce qu'elle était jaune comme un chinois et qu'elle avait de gros yeux bombés. Elle apprenait patiemment leurs lettres à mes petits camarades, mais elle ne s'occupait pas de moi, parce que je lisais couramment, ce qu'elle considérait comme une inconvenance préméditée de la part de mon père. En revanche, pendant les leçons de chant, elle disait devant toute la classe que je sentais faux et qu'il valait mieux me taire, ce que je faisais volontiers. Pendant que la marmaille s'époumonnait à suivre sa baguette, je restais muet, paisible, souriant. Les yeux fermés, je me racontais des histoires et je me promenais au bord de l'étang du parc Borély, qui est une sorte de parc de Saint-Cloud au bout du Prado de Marseille. Le jeudi et le dimanche, ma tante Rose, qui était la sœur aînée de ma mère et qui était aussi jolie qu'elle, venait déjeuner à la maison et me conduisait ensuite au moyen d'un tramway jusqu'en ces lieux enchantés. On y trouvait des allées ombragées par d'antiques platanes, des bosquets sauvages, des pelouses qui vous invitaient à vous rouler dans l'herbe, des gardiens pour vous le défendre et des étangs où naviguaient des flottilles de canards. On y trouvait aussi à cette époque un certain nombre de gens qui apprenaient à gouverner des bicyclettes. Le regard fixe, les mâchoires serrées, ils échappaient soudain au professeur, traversaient l'allée, disparaissaient dans un fourré et reparaissaient leur machine autour du cou. Ce spectacle ne manquait pas d'intérêt et j'en riais aux larmes. Mais ma tante ne me laissait pas longtemps dans cette zone dangereuse. Elle m'entraînait, la tête tournée en arrière, vers un coin tranquille au bord de l'étang. Nous nous installions sur un banc, toujours le même, devant un massif de lauriers entre deux platanes. Elle sortait un tricot de son sac et j'allais vaquer aux travaux de mon âge. Ma principale occupation était de lancer du pain aux canards. Ces stupides animaux me connaissaient bien. Dès que je montrais un croûton, leur flottille venait vers moi à force de palmes et je commençais ma distribution. Lorsque ma tante ne me regardait pas, tout en leur disant d'une voix suave des paroles de tendresse, je leur lançais aussi des pierres, avec la ferme intention d'en tuer un. Cet espoir toujours déçu faisait le charme de ces sorties. Et dans le grinçant tramway du Prado, j'avais des frémissements d'impatience. Mais un beau dimanche, je fus péniblement surpris lorsque nous trouvâmes un monsieur assis sur notre banc. Sa figure était vieux rose, il avait une épaisse moustache châtain, des sourcils roux et bien fournis, de gros yeux bleus un peu saillants, sur ses tempes quelques fils blancs. Comme de plus il lisait un journal sans images, je le classais aussitôt parmi les vieillards. Ma tante voulut m'entraîner vers un autre campement, mais je protestais. C'était notre banc, et ce monsieur n'avait qu'à partir. Il fut poli et discret. Sans mot dire, il glissa jusqu'au bout du siège et tira près de lui son chapeau melon sur lequel était posée une paire de gants de cuir, signe incontestable de richesse et de bonne éducation. Ma tante s'installa à l'autre bout, sortit son tricot, et je courus avec mon petit sac de croûtons vers le bord de l'étang. Je choisis d'abord une très belle pierre, grande comme une pièce de 5 francs, assez plate et merveilleusement tranchante. Par malheur, un garde me regardait. Je la cachai donc dans ma poche et je commençai ma distribution avec des paroles si plaisantes et si affectueuses que je fus bientôt en face de toute une escadre rangée en demi-cercle. Le garde, un blasé,
me parut peu intéressé par ce spectacle. Il tourna simplement le dos et s'en alla à pas comptés. Je sortis aussitôt ma pierre et j'eus la joie un peu inquiète d'atteindre en pleine tête le vieux père canard. Mais au lieu de chavirer et de couler à pic, comme je l'espérais, ce dur à cuire vira de bord et s'enfuit à toute palme en poussant de grands cris d'indignation. À 10 mètres du bord, il s'arrêta, se tourna de nouveau vers moi. Debout, sur l'eau et battant des ailes, il me lança toutes les injures qu'il savait, soutenu par les cris déchirants de toute sa famille. Le garde n'était pas bien loin. Je courus me réfugier près de ma tante. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu. Elle ne tricotait pas. Elle faisait la conversation avec le monsieur du banc. « Oh, le charmant petit garçon, dit-il, quel âge as-tu ? 6 ans. »« Il en paraît 7, dit le monsieur. » Puis il fit compliment sur ma bonne mine et déclara que j'avais vraiment de très beaux yeux. Elle se hâta de dire que je n'étais pas son fils, mais celui de sa sœur. Et elle ajouta qu'elle n'était pas mariée. Sur quoi l'aimable vieillard me donna 2 sous pour aller acheter des oublis au marchand qui était au bout de l'allée. On me laissa beaucoup plus libre que d'ordinaire. J'en profitais pour aller chez les cyclistes. Debout sur un banc, par prudence, j'assistais à quelques chutes inexplicables. La plus franchement comique fut celle d'un vieillard d'au moins 40 ans. En faisant de plaisantes grimaces, il arracha le guidon de la machine et s'abattit tout à coup sur le côté, en serrant toujours de toutes ses forces les poignées de caoutchouc. On le releva, couvert de poussière, ses pantalons déchirés aux genoux et aussi indigné que le vieux canard. J'espérais une bataille de grandes personnes lorsque ma tante et le monsieur du banc arrivèrent et m'entraînèrent loin du groupe, vociférant car il était l'heure de rentrer. Le monsieur prit le tramway avec nous. Il paya même nos places. Malgré les très vives protestations de ma tante qui en était, à mon grand étonnement, toute rougissante. J'ai compris beaucoup plus tard qu'elle s'était considérée comme une véritable courtisane. Parce qu'un monsieur encore inconnu avait payé 3 sous pour nous. Nous le quittâmes au terminus. Et il nous fit de grandes salutations avec son chapeau melon à bout de bras. En arrivant sur la porte de notre maison, ma tante me recommanda, à voix basse, de ne jamais parler à personne de cette rencontre. Elle m'apprit que ce monsieur était le propriétaire du parc Borelli, que si nous disions un seul mot de lui, il le saurait certainement et qu'il nous défendrait d'y retourner. Comme je lui demandais pourquoi, elle me répondit que c'était un secret. Je fus charmé de connaître, sinon un secret, du moins son existence. Je promis et je tins parole. Nos promenades au parc devinrent de plus en plus fréquentes et l'aimable propriétaire nous attendait toujours sur notre banc. Mais il était assez difficile de le reconnaître de loin car il n'avait jamais le même costume. Tantôt c'était un veston clair avec un gilet bleu, tantôt une veste de chasse sur un gilet de tricot. Je l'ai même vu en jaquette. De son côté, ma tante Rose portait maintenant un boa de plumes et une petite toque de mousseline sous un oiseau bleu aux ailes ouvertes qui avait l'air de couver son chignon. Elle empruntait l'ombrelle de ma mère ou ses gants ou son sac. Elle riait, elle rougissait, elle devenait de plus en plus jolie. Dès que nous arrivions, le propriétaire me confiait d'abord au berger des ânes, que je chevauchais pendant des heures, puis à l'omnibus traîné par 4 chèvres, puis au patron du toboggan. Je savais que ses largesses ne lui coûtaient rien puisque tout le parc lui appartenait, mais je n'en étais pas moins très reconnaissant. Et j'étais fière d'avoir un ami si riche et qui me prouvait un si parfait amour. 6 mois plus tard, en jouant aux cachettes avec mon frère Paul, je m'enfermais dans le bas du buffet après avoir repoussé les assiettes. Pendant que Paul me cherchait dans ma chambre et que je retenais mon souffle, mon père et ma mère et ma tante entrèrent dans la salle à manger. Ma mère disait « Tout de même, 37 ans, c'est bien vieux. » « Allons donc, dit mon père, j'aurai 30 ans à la fin de l'année et je me considère comme un homme encore jeune. 37 ans, c'est la force de l'âge. Et puis, Rose n'a pas 18 ans. »« J'ai 26 ans, dit la tante Rose. Et puis, il me plaît. Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture ? Il est sous-chef de bureau, il gagne 220 francs par mois. Hé, hé, dit mon père. Et il a de petites rentes qui lui viennent de sa famille. Oh, oh, dit mon père. » Il m'a dit que nous pouvions compter sur 350 francs par mois. J'entendis un long sifflement. Puis mon père ajouta, « Eh bien, ma chère Rose, je vous félicite. Mais au moins, est-ce qu'il est beau ?»« Oh, non, dit ma mère. Ça, pour être beau, il n'est pas beau. » Alors je poussai brusquement la porte du buffet. Je sautai sur le plancher et je criai, « Oui, il est beau, il est superbe !»
et je courus vers la cuisine dont je fermai la porte à clé. C'est à la suite de tous ces événements que le propriétaire vint un jour à la maison, accompagné de ma tante Rose. Il montrait un large sourire sous les ailes d'un chapeau melon qui était d'un noir lustré. La tante Rose était toute rose, vêtue de rose des pieds à la tête, et ses beaux yeux brillaient derrière une voilette bleue accrochée au bord d'un canotier. Ils revenaient tous deux d'un court voyage, et il y eut de grandes embrassades. Oui, le propriétaire, sous nos yeux stupéfaits, embrassa ma mère, puis mon père. Ensuite, il me prit sur les aisselles, me souleva, me regarda un instant et dit « Maintenant, je m'appelle l'oncle Jules parce que je suis le mari de tante Rose. » Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'appelait pas Jules. Son véritable prénom, c'était Thomas. Mais ma chère tante, ayant entendu dire que les gens de la campagne appelaient Thomas leur pot de chambre, avait décidé de l'appeler Jules, ce qui est encore beaucoup plus usité pour désigner le même objet. L'innocente créature, faute d'avoir fait son service militaire, l'ignorait, et personne n'osa l'en informer, même pas Thomas Jules, qu'il l'aimait trop pour la contredire, surtout quand il avait raison. L'oncle Jules était né au milieu des vignes, dans ce roussillon doré où tant de gens roulent tant de barriques. Il avait laissé le vignoble à ses frères et il était devenu l'intellectuel de la famille car il avait fait son droit. Mais il était resté fièrement catalan et sa langue roulait les airs comme un ruisseau roule les graviers. Je l'imitais pour faire rire mon frère Paul. Nous pensions en effet que l'accent provençal était le seul accent français véritable puisque c'était celui de notre père examinateur au certificat d'études et que les airs de l'oncle Jules n'étaient que le signe extérieur d'une infirmité cachée. Mon père et lui faisaient une paire d'amis, quoique l'oncle Jules, plus vieux et plus riche, prit parfois des airs protecteurs. Il protestait de temps à autre contre la durée abusive des vacances scolaires. « J'admets, dit-il, que les enfants aient besoin d'un long repos, mais pendant ce temps, on pourrait employer les instituteurs à autre chose. »« Eh oui, disait ironiquement mon père, ils pourraient aller remplacer pendant 2 mois les fonctionnaires de la préfecture, épuisés par leur longue sieste et meurtris par le rond de cuir. » Mais les escaramouches amicales s'arrêtaient là et jamais on n'abordait le grand sujet sinon par des allusions discrètes. L'oncle Jules allait à la messe. Lorsque mon père apprit, par une confidence de tante Rose et ma mère, qu'il communiait 2 fois par mois, il en fut positivement consterné et déclara que c'était un comble. Ma mère alors le supplia d'admettre cet état de choses et de renoncer devant l'oncle à son petit répertoire de plaisanteries sur les curés, et en particulier à une chansonnette qui célébrait les exploits aéronautiques du vénérable père Dupanloup. Crois-tu qu'il se fâcherait vraiment? Je suis sûre qu'il ne remettrait plus les pieds chez nous et qu'il défendrait à ma sœur de me fréquenter. Mon père secoua tristement la tête et soudain, d'une voix furieuse, s'écria « Voilà, voilà l'intolérance de ces fanatiques! Est-ce que je l'empêche, moi, d'aller manger son Dieu tous les dimanches? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle s'est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition, ni de Calas, ni de Jean Hus, ni de tant d'autres que l'Église envoya au bûcher. Je ne dirai rien des papes Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même s'il essaye de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment et je me contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe et il ne rigolerait pas du tout. Cependant, il tint parole et leur amitié ne fut pas troublée par les quelques mots qui leur échappaient de temps à autre et que leurs femmes vigilantes escamotaient aussitôt par de grands cris de surprise ou des éclats de rire stridents dont elles inventaient ensuite le motif. L'oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait souvent d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret au temps des rendez-vous au parc Borelli. Il disait à qui voulait l'entendre que cet enfant ferait un grand diplomate ou un officier de premier ordre. Cette prophétie, qui avait pourtant une alternative, ne s'est pas encore réalisée. Il tenait beaucoup à voir mes bulletins scolaires et il me récompensait ou me consolait par des jouets ou par des sachets de berlingots. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son admirable parc Borelli, avec un balcon pour voir les cyclistes, il m'avoua sur le mode badin qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consternée par la perte instantanée d'un si beau patrimoine, et je regrettais d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus,
Je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi. Et il me sembla que je n'étais plus en sécurité parmi elles. Mais d'un autre côté, cette révélation qui justifiait mes propres mensonges passés, présents et futurs, m'apporta la paix du cœur. Et lorsqu'il était indispensable de mentir à mon père, et que ma petite conscience protestait faiblement, je lui répondais « Comme l'oncle Jules !» Alors, l'œil naïf et le front serein, je mentais admirablement. Un beau jour, nous changeâmes de maison car mon père jugeait que notre appartement était devenu trop petit. Il obtint une indemnité de logement et nous allâmes habiter dans la rue Térus, un grand rez-de-chaussée que complétait un sous-sol éclairé sur le derrière par un petit jardin. Ce fut une des grandes étapes de notre vie. Ma mère, toute rouge d'orgueil, éblouit la tante Rose en lui montrant qu'elle disposait désormais de 8 placards et de penderies. Quant à moi, je racontais ce palais à l'école et pour donner une idée de la richesse, j'affirmais sans mentir qu'on pouvait y jouer aux cachettes. Un tel luxe me fit pas mal d'envieux. Il y eut heureusement des incrédules qui restèrent mes amis. 2 années passèrent. Je triomphais de la règle de 3. J'appris avec une joie inépuisable l'existence du lac Titicaca, puis Louis X le Hutin, Hibou sous genou et ses règles désolantes qui gouvernent les participes passés. Mon frère Paul, de son côté, avait jeté son abécédaire et il abordait le soir dans son lit la philosophie des pieds nickelés. Une petite sœur était née, et tout justement, pendant que nous étions tous les deux chez ma tante Rose, qui nous avait gardé 2 jours pour faire sauter les crêpes de la Chandeleur. Cette invitation malencontreuse m'empêcha de vérifier pleinement l'hypothèse audacieuse de Mangiapan, qui était mon voisin de classe, et qui prétendait que les enfants sortaient du nombril de leur mère. Cette idée m'avait d'abord paru absurde, mais un soir, après un assez long examen de mon nombril, je constatai qu'il avait vraiment l'air d'une boutonnière avec au centre une sorte de petit bouton. J'en conclus qu'un déboutonnage était possible et que Mangiapan avait dit vrai. Cependant, je pensais aussitôt que les hommes n'ont pas d'enfants. Ils n'ont que des fils et des filles qui les appellent papa, mais les enfants venaient sûrement de la mère, comme les chiens et les chats. Donc mon nombril ne prouvait rien. Tout au contraire, son existence chez les mâles affaiblissait grandement l'autorité de Mangiapan. Que croire, que penser? En tout cas, puisqu'une petite sœur venait de naître, c'était le moment d'ouvrir les yeux et les oreilles et de percer le grand secret. C'est en revenant de chez Tante Rose, comme nous traversions la plaine, que je fis dans le passé une importante découverte. Depuis 3 mois, ma mère avait changé de forme. Elle marchait, le buste penché en arrière, comme le facteur de la Noël. Un soir, Paul, avec son air d'inquiétude, m'avait demandé « Qu'est-ce qu'elle a, notre Augustine, sous son tablier ?» Je n'avais su que lui répondre. Nous la retrouvâmes, souriante, mais pâle, sans force, dans le grand lit. Auprès d'elle, dans un berceau, une petite créature grimaçante poussait des cris de mirliton. L'hypothèse de Mangiapan me parut démontrée, et j'embrassai ma mère tendrement en songeant à ses souffrances au moment où il avait fallu déboutonner le nombril. La petite créature nous parut d'abord étrangère. De plus, notre mère, qui donnait le sein, ce qui me choquait beaucoup et qui effrayait Paul, il disait « Elle nous la mange 4 fois par jour. » Mais quand elle se mit à tituber et à bégayer, elle nous révéla notre force et notre sagesse et nous l'adoptâmes définitivement. L'oncle Jules et la tante Rose venaient nous voir le dimanche et j'allais avec Paul déjeuner chez eux presque tous les jeudis. Ils habitaient un bel appartement à la rue des Minimes. Il était éclairé au gaz. La tante faisait la cuisine au gaz et elle avait une femme de ménage. Je remarquai un jour avec surprise que ma chère tante Rose se gonflait à son tour et je conclus immédiatement à un prochain déboutonnage. Ce diagnostic fut bientôt confirmé par une conversation dont je surpris quelques bribes entre ma mère et Mademoiselle Guimard. Pendant que le boucher découpait un beau beefsteak de 4 sous dans la pièce noire, elle dit avec inquiétude « Les enfants de vieux, c'est toujours délicat. Rose n'a que 28 ans, protesta ma mère. Pour un premier enfant, c'est déjà beaucoup, et n'oubliez pas que son mari en a 40. 39, dit ma mère. 28 et 39 font 67, dit Mademoiselle Guimard. Et elle hochait la tête pensive et maléfique. Un soir, mon père nous annonça que maman ne rentrerait pas à la maison parce qu'elle était restée auprès de sa sœur qui n'était pas bien. Nous dînâmes tous les 4 en silence, puis j'aidai mon père à coucher ma petite sœur.
Ce fut une opération difficile à cause du pot, des langes et de notre peur de la casser. Tout en tirant sur mes chaussettes, je dis à Paul « La tante Rose, ils sont en train de la déboutonner ». Il lisait dans son lit ses chers pieds nickelés et il ne me répondit pas. Mais j'avais résolu de l'initier au grand mystère et j'insistais. « Est-ce que tu sais pourquoi ?» Il ne bougea pas davantage et je m'aperçus qu'il dormait. Alors, je tirai doucement son livre de ses mains, j'aplatis ses genoux et du premier coup, je soufflai la lampe. Le lendemain, qui était un jeudi, mon père nous dit « Allez, Oust, levez-vous, nous allons chez la tante Rose et je vous promets une belle surprise. » « Moi, dis-je, ta surprise, je la sais déjà. »« Oh, et que sais-tu ?»« Je ne veux pas te le dire, mais je te promets que j'ai tout compris. » Il me regarda en souriant, mais n'insista pas. Nous partîmes tous les quatre le long des rues. La petite sœur était drôlement attifée dans une robe que nous avions boutonnée par devant et nous n'avions pas su la coiffer à cause de ses hurlements. Une grande inquiétude me tourmentait. Nous allions voir un enfant de vieux. Mademoiselle Guimard l'avait dit, mais elle n'avait rien précisé, sauf qu'il aurait 68 ans. J'imaginais qu'il serait tout rabougri et qu'il aurait sans doute des cheveux blancs avec une barbe blanche comme celle de mon grand-père, plus petite évidemment et plus fine, une barbe de bébé. Ce ne serait pas beau, mais il allait peut-être parler tout de suite et nous dire d'où il venait et ça ce serait intéressant. Je fus tout à fait déçue. On nous mena embrasser la tante Rose dans la chambre. Elle avait l'air parfaitement reboutonnée, quoiqu'un peu pâle. Ma mère était assise sur le bord du lit. Entre elles, il y avait un bébé sans barbe ni moustache, et sa grosse figure joufflue dormait paisiblement sous une crête de cheveux blonds. « Voilà votre cousin !» dit ma mère à voix basse. Toutes les deux le regardaient, émues, émerveillées, ravies, avec une adoration si exagérée. Et l'oncle Jules, qui venait d'entrer, était si rouge de fierté que Paul, écœuré, m'entraîna dans la salle à manger, où nous dégustâmes les quatre bananes qu'il avait repérées au passage dans le compotier de cristal. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.